Nous déjà connaissons que Léon Nachot là pour informer nous de tout ce qui a passé dans le pays Mexique, spécialement pour les gens qui choisissent rester, et spécialement toujours pour les gens qui choisissent régulariser tête à travers le bureau Comar. Ça fait quelques mois, bureau numéro 2 à côté pour processus fait pour jusqu'à aboutir à une résolution qui est capable de mener compatriotes nous et l'autre nation qui vient demander refuge et protection capable d'une résidence permanente. Eh bien, bureau ça lui-même était fermé pendant un temps et lundi qui était 5 août là, l'a ouvert et nous avons une nouvelle adresse là côté nous venons exactement comment ça. Et déjà nous avons présence plusieurs et compatriotes haïtiens pareil nous, plusieurs autres nations qui viennent là dans bureau ça qui ouvre de 9h du matin à 2h après-midi et puis tout 3h pour 6h après-midi. Normalement et m'a montré nous bureau a trouvé exactement dans zone station métro ligne métro numéro 8 la station escadron numéro 6 calle 10. OK, yon moun ki nan processus là qui connaît qu'il était bureau était fermé alors yo ouvri nous là ou capable écrire pour capable voyer adresse là-bas ou pour ka connait exactement qui côté lié de pour prendre ligne métro numéro 8 là ou descendre dans escadron 201 et puis ou venir dans calle 10 ou ka joindre pour que ou capable continuer avec processus sous. Je dis à la nous présents, il y a plusieurs et compatriotes nous qui là et nous pas connaissons n'a bien chance dialoguer avec eux en cas où nous pas ta faire et nous t'est venu spécialement jodi a et staff Léon Nachot bon même si pour compte moi pour le moment mais oui il y a un staff alors moi là jodi a pour que moi capable et montrer nous bureau a exactement m'a montrer nous zone comment lié. OK, m'a montrer nous zone pour les nous venir pour nous pas perdre côté nous reportage blé ça. Na pa kote moun yo kanpe des machines gria, c'est la zone nan. Et puis nan mitan et avenir la, na pa ki genyen exactement yon sorte de place kote gen espace pou moun chita tout ça ta kou lè nou vini, nou pa gen difficulté. Mais yon nan bagay ki vraiment important ki nou dwe konnen. Biro ki te nan Versailles la nan Mexico City te arrivé fermé, c'est parce que voisinage nan zone nan, parce que son résidentiel li, on zone très exclusive non façon. Yo te ouais trop moun te kon akimile devant biroa toute nation te kon vini kon gen embouteillage moun ka pral vann moun ki te même vle dormi devant biroa pour te capable régulariser tête à travers refuge Comal la. Eh bien le opote plainte contre les contre biro ça nan l'état yo te obligé demander yo pour que yo capable checker yon l'autre côté yo te vinn fermé yo t'a fait check yo pote côté jeune un espace vraiment pour mettre biroa numéro 1. Yo te déplacer le côté le dans la wak là, yo mette non l'autre adresse que moi gagne là tout que moi pas gagne en pensée actuellement. Après ça, numéro 2 a été obligé fermer pour quelques mois. Côté en pile moun te en difficulté jusqu'à présent pour yo capable régulariser tête. Même gen moun qui était arrivé découragé entre États-Unis pendant ce temps où te gen projet rete et joindre refuge, faire résidence pour que yo te capable entrer famille yo ou bien rete vivre ici là là dans pays Mexique. Alors, bonne nouvelle, yo ouvri là, moi présent. M'a tourné montrer nous zone encore là c'est plusieurs monde qui est en venir là viennent prendre information c'est monde qui a continuer monde qui a commencer processus alors nous là présent plateforme Léon Nachot là pour informer exactement comment ça et pas oublier me dit nous que Oréa c'est de 9h du matin pour 2h après-midi moi j'ai demandé déjà là-bas et puis tout de 3h après-midi jusqu'à 6h dans après-midi pour que nous capable venir prend information continuer processus nous monde qui gagne pour continuer signer monde qui fait interview déjà capitaine résolution continuer vinn signer pas négliger et bureau a ouvri et nous pas penser moi franchement pas espérer c'est dans moment ça là ou ta pour ouvrir mais oui il ouvre qu'on a là côté tout monde capable venir pour continuer avec processus pas oublier sur mes travail que Léon Nachot a fait il totalement gratis pour suivre pour abonner sur YouTube pour quitter un commentaire dit est-ce qu'on remet travail là qui partie vidéo mon plus remet dans pays Mexique et bientôt on a pour nous aller dans l'autre pays pour nous capable continuer faire travail là. Voilà, c'est ça que m'était pour nous aujourd'hui et n'a regarder pour nous voir si nous était capable joindre quelques monde qui t'a décidé bah une petite opinion de comment ça est mais pour aujourd'hui là nous pas en pile monde pas qu'on est dans matin si t'es en pile monde les environ 2h après-midi là 2h22 et gen moun la capitaine 3h pour capable demander quelques informations comment on capable continuer dans processus. Est-ce que nous songe Astrid qui m'a fait interview avec lui déjà dans une réunion qui m'a participé qui a nous été organisé dans l'église pasteur Frisnel là. Mais aujourd'hui là nous rencontrer devant Comal numéro 2 qui fait réouvrir bureau dans l'autre adresse
Et comme nous déjà attendons dans la première interview avec le dans le processus, je dis à Astrid, comment sentez-vous lors d'apprendre une nouvelle que Koumal réouvre pour continuer le processus? Bon, nous devons soir avec Léona Chaud et m'a profité de saluer Pasteur Fresnel parce que par rapport à Pasteur Fresnel, il y a un pile d'efforts que moi fais dans le Mexique. Bon, je dis que je viens là, c'est parce que je m'apprends que comme à l'ouvert, vraiment, vraiment venir. Je dis que après quelques minutes, je suis capable de rentrer en dedans pour être capable de partager ce que je viens faire dans le commandant. Et dans qui est ta processus pour arriver? Bon, le processus, moi, j'ai une interview pour me faire que je peux faire parce que je vais commencer à rien. J'ai une interview pour me passer, je vais passer une interview. Je vais connaître, comme c'est comme elle qui était fermé, ce n'est pas moi-même qui va devenir. Je vais connaître comment je vais aller ensemble avec le processus ou pas. Ok, mais on est arrivé à 4-1 ans, on t'a dit dans la première interview. Oui, moi j'ai 4-1 ans. Par rapport à moi, j'ai 4-1 ans, c'est à cause de. Je suis capable de dire que c'est le groupe fédération de la diaspora. Et ça fait Pasteur Fresnel. Moi, je suis en pile en tant que pasteur parce que il n'y a pas de monde qui est là pour prendre l'argent sur Haïtien. Parce qu'il y a un pile de monde. Et fort que Pasteur fait avec Haïtien qui est dans le Mexico, il y a un pile de monde qui a pressé l'argent pour faire juste une bonne information, bien si il y a un avantage. Puis on est capable de partager l'ensemble avec eux. Et alors, aujourd'hui, vous êtes content de ce que vous avez ouvert? Ah oui. Pour continuer le processus. Est-ce que jusqu'à présent, l'idée a beaucoup changé pour entrer aux États-Unis dans CBP? Non, vous avez toujours les mêmes idées à faire. Bon, l'idée n'a pas changé parce que malgré ce que je toujours à encourager pour venir, tout à fait, la parole avec moi, je encourager pour venir. Moi, j'ai l'autre encore qui a encouragé pour me rentrer. Mais moi-même, j'ai un pile avantage moins ouais et me joindre. Un pile ancien à profiter des avantages. Et moi-même, tout, moi, je veux profiter de lui. Parce que, les États-Unis, là, il n'y a pas pour tout le travail, je vais le travail. J'ai un pile de monde qui est allé, qui a combien de mois qui faut que j'aime qu'elle travaille. Et ici, Mexico, de vous qui tout pas de papier, ou voulez faire business, vous pouvez faire. Mais le papier est plus assuré, comme si l'État n'a pas de bon problème, soit faire business. Parce que si vous avez un peu de papier ici, imaginez bien. Vous avez un peu de papier qui a un gros business ici. Allez voir pour vous avez un papier pour vous dire que le papier passe. Eh bien, d'accord, Astrid, c'est un plaisir. Et à chaque fois que nous rencontrons, ça fait des fois déjà. Pour que nous puissions partager opinion sur la plateforme Léona Chaud. Je vais vous faire une correction concernant le prix de dire que les gens capables de toucher dans le Mexico. On a fait ça dans l'autre vidéo. Nous avons fait l'autre vidéo. Okay? D'accord, merci. On a fait ça dans l'autre vidéo, d'accord? D'accord, merci. Okay. Quittez un commentaire. Ça, c'est Léona Chaud, la vie haïtienne en Mexique. Nous avons cherché toutes les informations nécessaires et importantes pour les gens qui dépassent et même pour les gens qui apprêtent. Bye bye. Nous avons dans l'autre vidéo. N'oubliez pas de partager. Pour tout le monde qui est dans le Mexique, le monde qui est venu, capable de connaître qui côté bureau a et comment vous êtes capable de venir pour continuer avec le processus. Nous avons une autre vidéo, pas oublier ça, c'est Léona Chaud, on est gonné. Léona, tout côté, c'est slogan. Je dis à nous dans le Mexique, nous sommes Saint-Domingue, nous sommes Haïti. Nous allons pour nous aller bientôt dans l'autre pays pour nous capable de continuer à faire travail là. Bye bye. À la prochaine.